Yo, c'est la team S3 et aujourd'hui, S3 Challenge Party 9. Yo les S3 Family, aujourd'hui c'est la 9ème partie de notre S3 Challenge. Par contre, je suis que avec Annie. Non, en vrai j'ai un guest. Ça fait un moment que vous l'avez pas vu sur notre chaîne. Tu peux venir s'il te plaît. Ouais, c'est Shane Garnier, ouais. Shane Garnier, c'est voilà, comme ça. Ouais, Shane Garnier, enchanté. Ça va, ouais. Ça va, ça va. Et toi, ça va. Ouais, ça va. Pour la S3 Family, je sais, vous m'avez pas vu depuis longtemps, mais c'est normal. Tonton Céane, il est devenu papa, tout ça, tu vois. Donc j'ai des excuses. Je reviens et aujourd'hui S3 Challenge. Moi, je vois que des vidéos S3 Challenge. Je suis jamais là. Et obligé, j'étais obligé de venir. Donc ça va être comme d'habitude, 3 challenge et on a concocté des petits trucs un peu spéciaux cette fois-ci. Vous êtes prêts? Mais crois pas, tu vas venir et tu vas gagner. Ça c'est ici, c'est chez nous. Là on joue à domicile. Non. C'est aussi mon domicile. Attends, ouais. C'est parti, en commençant plus tarder avec le premier challenge. Le défi est très simple, on commence avec le meilleur contrôle. Avec un ballon de rugby. Ok, la règle elle est simple, tout le monde sait faire un contrôle. Ouais. Avec un ballon de rugby. Ouais. Hein? Quoi, non? Quoi? Le premier qui arrive à la contrôler sans qu'elle touche le sol, il a gagné. Bon, okay. Bonne soirée, salut. Enchanté de vous connaître. À la prochaine. À la délit de l'eau. C'est un, tu commences. Oh merde. Bah, avec nous, c'est jamais hey, pareil. Non. Moi, j'avais déjà prévu le coup. Oh, non, allez, hey, il a insolent lui. Non, en vrai de vrai. Faut être fair play. Ton contrôle il était beau. Toi il était là. Ah moi. Mais toi c'était un vrai contrôle. Non, mais on peut dire que c'était un vrai contrôle de rugby. Le premier c'est Anne. Le deuxième Annie. Et le troisième Boss. Voilà. On passe tout de suite au deuxième challenge. La précision. 5 points pour le haut, 2 points pour le bas. Yeah. Mais avec un ballon de rugby. Yes si. Non, t'es pas sérieux là. Yes si. Yes si. Ok, on commence tout de suite avec Moss. Moss, t'es prêt? Ouais. Allez, t'es prêt? Ouais. T'es prêt? Ouais. Allez, c'est parti, Moss. Vas-y. Roule ma. Skills. Le deuxième participant nous vient tout droit d'Algérie. Non, plus d'Algérie, c'est fini. Ah oui, là, il s'est pas bien. Ok, c'est parti, j'ai pas fait un trop mauvais score, j'ai au moins cadré une seule fois, c'est déjà pas mal. On passe à Céane. Céane, t'es prêt? Parti. Ouais. Pour ma part, je pense que j'ai gagné quand même. Là, cette fois-ci, j'ai gagné. Ah, c'est bien, les contrôles, tout. Attendez. On n'a pas mis le carne, les gars. Le premier qui la met, vous êtes chaud? Je suis chaud. Le premier, chaud, chaud. Une frappe chacun. Une frappe chacun. Allez, vous êtes chaud? Allez. C'est toi qui commence. Quoi? Hein? Non, attends. Ah. Oh bâtard. Bien joué. Bien joué. Franchement, bravo à toi. T'as vu la barre que j'ai mis ou pas? Franchement, t'as géré. Toi aussi? C'est moi. C'est moi. Moi, j'ai mis avec ça. Ouais, non, je te disais. Tu vois la barre que j'ai... Ouais, franchement, elle était lourde. Non, parce que. Excusez-moi. Vas-y, challenge numéro 3. Ok, la troisième. Ouais, des pénalties. Des pénalties? Avec un ballon de rugby. Bon, là les règles elles sont super simples. Il y a 2 goals, on a 3 essais chacun. Celui qui met le plus de buts, hein. Si je commençais, tiens. Allez. Je frappe fort, j'ai mal, mais je frappe fort. J'ai mal, mais je vais gagner.
Mettez un maximum de pouces bleus s'il vous plaît. Mais quoi, il tire vers ton côté, attends, t'es nul. Viens, regarde. Il tire fort, t'as vu? Mais il tire vers toi aussi, c'est facile. Yo, c'était la Team S3. On espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de nous dire en commentaire quel autre challenge je dois faire dans le prochain S3 Challenge Party 10. Ah non, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, et surtout, abonne-toi. Excuse-moi. I just lit it, so weapon concealing, and I keep it inside of me. I remain silent, a part of society, never defining the purpose of life. What I write is contracting for spiritual ties, and a dumb motherfucker trying to mess with that. I'm stepping back, but don't retract and overreact. I try to relax, and that's fact, my nigga. When you do it like me, to me, it's not my new, my truth. That's what I'm intending to giving you, selling the feeling, and finally killing, defining your image, and now you wanna.